Viens, viens. Allez, c'est bon, viens, 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 vi
Faites une bulle. Alpha 2. Alpha, on fait une bulle, on écarte un peu les gens là. Prenez les cadres. Eh, viens, écartez les gens. Les gens, on les écarte. Oui. Là, on fait tout à l'heure. Vous avez encore des gens à l'intérieur ou vous êtes les derniers? Qu'est-ce que vous reprochez avec des mots du coup? Excusez-nous monsieur, ça va être compliqué un petit peu de vous répondre. On est venu pour faire une action pacifique. On est des antiracistes convaincus. On est juste venu pour dire que tout le monde n'était pas d'accord et qu'on voulait s'y opposer de façon pacifique. On a des t-shirts que je viens de retirer pour éviter de me faire à nouveau casser la gueule. Je Madame, savais pas que ce serait comme ça. Vous avez plus des risques. J'ignorais les risques, je pensais qu'on était en démocratie, s'il vous plaît. Je pensais qu'on était en démocratie, qu'on pouvait donc dire ce qu'on avait à dire et qu'on n'aurait pas de conséquences physiques. On est des militants pacifiques. Justement, les paroles d'Éric Zemmour, les paroles d'Éric Zemmour, c'est des paroles qui tuent, c'est des paroles qui incitent à la violence. On a enlevé notre pull sur lequel étaient des lettres qui faisaient la phrase non au racisme. On a enlevé le point. D'accord, pas de soucis. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ne soignez pas la question. Voilà, c'est tout. Hein. Arrivé. Est-ce que quelqu'un vous a frappé? Oh oui, voilà. Oh j'ai pris des coups un peu dans tous les sens. Quoi. Ça va? Toi, ça va? Oh, ouais. Oh putain, ils t'ont défoncé! Oh non, ils t'ont défoncé! S'il vous plaît, arrêtez de filmer. Il est où? Florian? Je suis là, je suis là. Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez? Mes parents, ils vont me défoncer. Papa, maman, je suis désolée, j'aurais dû vous écouter. Vous êtes vulnérable, madame? Non. Qu'est-ce que vous ressentez là, tout le monde? Je sais pas. Fier. Ils vous ont donné des coups? Madame, s'il vous plaît. C'est ça la porte de l'humour, c'est bien, c'est tout le monde, c'est ça. C'est ça. C'est ça. S'il vous plaît, reculez. C'est ça, ta démocratie pourrie. Qu'est-ce qui s'est passé, excusez-moi? Je sais pas. Calme, Romain, je vais te répondre. Légal. Marseillaise, on s'en est visiblement frappé, en tout cas. Non, pas du tout, on n'a rien vu, madame. Vous étiez au milieu. Non, on était derrière. Vous avez retiré votre t-shirt? On a retiré notre pull en dessous duquel était un t-shirt avec des lettres qui permettaient de former la phrase non au racisme. On a levé le poing, on n'a pas bougé, on s'est juste levé, madame. On a marre de faire un succès. Je trouve aussi. On va pas. Attends, on sait pas quoi. On fait pas non, 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 il est avec nous. Il est avec nous. Il est avec vous. Non mais pourquoi lui il va là-bas? Oui, par ici, par ici. Oui, mais d'accord, mais pourquoi lui il va là-bas en fait? C'est à la gauche.
Non, en fait, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de... Mais pourquoi il... Mais non, non, on va avec lui. Mais on le laisse pas partir. Ça va bien se passer. Vous pouvez juste dire où est-ce qu'il va? Il sait où est-ce qu'il va ou pas? Non, on veut savoir où il va. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a rien fait. Non, mais d'accord, on est bien d'accord. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît, merci. Vous voulez moi aussi? Non, d'accord. Bah, en fait, on va l'attendre. Oui, vous l'attendrez un petit peu plus loin, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, mais merci. On l'attend un peu plus loin, mais on va l'attendre. Vous, en fait. Vous avez jusqu'au métro, s'il vous plaît. C'est la M. Madame. C'est normal? Non, normal aujourd'hui. Non, c'est pas. Non. C'est pour ça qu'on était là, pour le rappeler. On a pris les risques parce qu'on savait aussi. C'était quoi votre message exactement? Non, non racisme. Un truc hyper violent. Un pire tous les jours. C'était incroyable. C'est ça la force des démons, c'est le cassis. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, si en disant non, racisme, on va meeting des démons, on va le faire cool. Madame, est-ce que vous serez prête à recommencer ou pas? Posez-moi la question dans deux jours. Attention, ma fille, il y a des escaliers. Ça glisse. Oui, voilà, on va se faire une Uber. On arrête là. Ouais. Je fais bien. Il dit sûr, alors bon, expliquez-nous pourquoi vous partez là. Bah, en fait, on était juste un rang devant nous. Il y avait pas mal de mecs qui d'un coup se sont déshabillés, montaient les t-shirts, stop le racisme, tout ça. Et d'un coup, il y a tout le monde qui s'est excité vachement. Donc énorme mouvement de foule. Et en fait, on a cru pendant deux secondes qu'on allait tous se faire écraser, enfin en tout cas notre Angers. On est parti. Du coup, un petit coup de flip. Donc on est sorti se fumer une clope. Et puis finalement, voilà. Ouais, voilà. C'était un peu. Bon, après, sûrement plus de peur que de mal, mais. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu à l'intérieur exactement? Rien de méchant. Non, mais c'était un groupe de personnes qui se sont mis sur leur genre, siège. Ils étaient militants et en fait, pas du tout. Ils venaient juste foutre le bazar, quoi. Et du coup, un peu de plus de peur que de mal, ouais. Du coup, on nous a dit qu'il y avait des chaises qui avaient volé, des ceintures. Ah ça, on n'a rien vu de tout non, ça. Pas du tout, non, rien cas, pas, de pas tout ça. Non, on a eu juste cette petite frayeur, mais rien de. Ouais. Enfin, ça, d'un coup, ça crée plein d'intrigues parce qu'il y a toute la sécurité qui arrive, qui se demande ce qui se passe. Et du coup, voilà, un peu plus de flip. Ouais. Du coup, voilà, on est sains et saufs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Thank you.